Vous voyez ce mec là, mais si, ce mec là, au supermarché. Ce mec qui aime faire ses courses. Ce mec qui n'aime pas faire ses courses. Pardon. Ce mec qui n'aime vraiment pas faire les courses. Ce mec victime de la société de consommation. Bingo, des soldes. Pas beau ça? Y'a pas petites économies, hein? Regarde. Ah, ce mec victime tout court. Achète-moi des bonbons. Oui. Ce mec qui bouffe les trucs avant de les avoir payés. Ce mec qui se demande s'il avait le droit de bouffer les trucs avant de les avoir payés. Mais qui au final s'en bat les couilles. Ce mec qui profite des dégustations. Ce mec qui a bien profité. Ce mec astucieux. Ce mec qui sonne tout le temps au portique. Bonjour monsieur, je peux voir votre sac s'il vous plaît? Ce vigile qui sonne tout le temps au portique. Monsieur, je peux voir votre sac s'il vous plaît? Oui, pardon, excusez-moi, je vous le donne. Oui, bah dépêchez-vous, monsieur. Oui, mais qu'est-ce que je peux faire? Faut que je l'enlève quand même. On vous demandait ça parce que je suis noir, mais je vous ai même pas parlé, monsieur. Attrapez-le! Ce mec qui connaît la caissière. À l'hôpital, pour qu'au final, une fois arrivé à l'hôpital, ils lui disent. Ils lui disent, non, c'est pas possible. Et finalement, bah, ça intéresse tout le monde. Et finalement, elle a fini 14ème. 14ème, pas mal. Ce kleptomane. Ce kleptomane nul. Ce mec astucieux, le retour. Regardez. Regarde, tu lèves un peu. C'est mon cousin gitan qui m'a appris. Hop, tu colles. Y'a pas petites économies. Ce mec relou. J'ai oublié de... Ah, fallait le peser. Attends, j'arrive. Je reviens. Pardon, excusez-moi. Oh, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Non. Voilà. Ce mec relou, victime du marketing. C'est pas grave. C'était sur mon chemin. Vos enfants seront contents. Oui. Voilà. Ah merde, l'étiquette. Mais c'est pas toi. Ce mec qui a peur de payer pour les autres. Ce mec qui s'habille au supermarché. Tada. T'en penses quoi? 5 balles. Ce mec qui s'habille uniquement au supermarché. Ce mec qui fait ses courses quand il a faim. Ce mec qui fait ses courses quand il a pas faim. Ce mec qui mange mal, mais qui boit bien. Du coup, il est équilibré. Ce mec qui a complètement oublié. 14 juillet. Ce mec radin. Excusez-moi parce que vous avez pas compté, il y avait le deuxième doo-wop qui était à moins 50% et vous avez oublié de le mettre là, enfin vous avez pas mis la remise. Du coup, bah, si vous pouvez la mettre quand même parce que... Bah, y a pas de petites économies, hein, je vous l'ai dit. Ce mec infidèle. Vous avez carte de fidélité? Non, ce mec vraiment infidèle. Vous avez carte de fidélité? Chérie, t'as la carte de fidélité? Ah non. Bah dégage. Ce mec qui vole un caddie. Ce mec qui veut passer devant juste parce qu'il a que 2 articles. Excusez-moi monsieur, est-ce que je pourrais passer devant? J'ai juste 2 articles. Cet enculé qui refuse. Je paye pas 9000 euros d'impôts pour qu'on me double! T'as 2 articles, j'en ai 2! On est pareil, c'est la France, l'égalité! Cette meuf qui fait croire qu'elle est enceinte pour passer devant. Oui. Merci, c'est gentil. Ce mec qui fait croire qu'il est enceinte pour passer devant. Pardon, je suis enceinte, regarde le ventre. Non, vas-y, faudrait pas le faire. Tenez, c'est du chou. Ce mec écolo. Les sacs plastiques, ça pollue. Et moi, j'aime pas la pollution. Ce mec vraiment écolo. En moyenne dans le monde, une voiture essence consomme 1 kg de CO2 toutes les 4 secondes. C'est grave. Du coup, moi, je prends mon caddie jusqu'à chez moi. Non, en fait, c'est juste que j'ai pas le permis. Ce mec qui paye en centimes. Ça fera 3,48 €. Ce mec en fin de mois. Yes! Ce mec sans âme. Chèque ou espèce? Non. Carte? Non. Vous payez pas vos courses? Non. Tu vois pas ce mec? Non. Bon bah tant pis, c'est pas grave, tu peux quand même t'abonner à la chaîne et puis voilà. Non. Oh, c'est la villageoise. Wow. Oh, c'est la villageoise. Wow. Oh, c'est la villageoise. Wow. Oh, c'est la villageoise. Wow.
Non.